Salut à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie dans votre émission 45 minutes. Vous connaissez le principe, on parle que de l'actualité du foot dans votre région et on en parle avec nos experts qui sont chaud comme la braise ce soir. Salut François Launay, bonsoir. Journaliste à 20 minutes. Alors dans ton article, tu parles de ce fameux projecteur qui a failli tomber ce matin dans 20 minutes. Stade de la Licorne d'Amiens, incident ou c'est plus grave docteur? C'est plus grave parce que je trouve que le passif, ça commence à faire beaucoup là sur les deux derniers mois entre l'effondrement de la tribune des supporters lillois et ce projecteur qui heureusement n'est pas tombé, n'a pas fait de victime. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'on a le sentiment que les responsables prennent un peu ça un peu trop à la légère. Eh bien, on parlera d'Amiens et de son stade qui fait couler beaucoup d'encre. Franck Defenin est avec nous. Salut Franck, supporter du LOSC de la section Chagnot-Tourcoing. Alors, comment on est là quand on est supporter du LOSC? C'est pas facile. Hein. Bah, disons que c'est un début de saison très compliqué, surtout quand on nous avait vendu en début de saison le projet. Mais bon, en tant que supporter, nous, on est toujours derrière notre équipe, on y croit. Maintenant, on attend avec impatience la trêve pour voir ce qui va se passer au club. Et à tout à l'heure, Franck. Merci d'être avec nous. Johan Ramaré est avec nous. Johan, tu es le premier joueur pro invité du 45 minutes. On a eu plein d'entraîneurs, donc merci d'être avec nous. Valenciennes, c'est pas un rythme pour monter en Ligue 1, ça, hein, après encore un match nul contre Kiwi, là. Non, c'est pas l'objectif premier non plus de la saison. Il y a des équipes qui sont mieux armées que nous pour ça. Nous, c'est une année un petit peu... entre guillemets, de transition. Il y a eu beaucoup de changements, des départs, des arrivées. Là, un nouveau coach. Donc voilà, on est conscient qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. On va essayer de prendre les points du maintien le plus rapidement possible et voir un petit peu après où on en sera. Et merci, Johan, d'être avec nous ce soir. Emmanuel Magdelaine, rédacteur en chef adjoint France 3 Nord-Pas-de-Calais. Semaine cruciale aussi pour le LOSC, Manu. Oui, on va en parler tout à l'heure en fin d'émission. Demain, rendez-vous commission juridique pour le cas Bielsa. Rendez-vous à la DNCG. Mercredi, match de Coupe de la Ligue. Samedi, match de championnat, de Ligue 1. Après cette semaine, j'ai l'impression qu'on va y voir un petit peu plus clair sur le LOSC. On en parle tout à l'heure. Chris nous dit, c'est ça le principe, hein, postez vos messages. Chris nous dit, arrêtez avec Amiens, vous êtes lourd. Eh bien non Chris, on va parler d'Amiens parce qu'on est sur France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et c'est un club qui cartonne, d'ailleurs c'est le meilleur club actuellement de la région, messieurs. France 3 Hauts-de-France. On va commencer avec une image. Image arrêtée qui fait couler beaucoup d'encre, je l'ai dit tout à l'heure. On est à l'action, c'est le but du Di Maria qui va découler cette action. C'est Mbappé qui est hors-jeu et on parle d'arbitrage. On est à PSG-Lille, vainqueur du PSG 3-1. François, est-ce qu'il y avait hors-jeu sur ce but qui fait tant couler d'encre et qui a énervé les dirigeants du LOSC? Il semble que Mbappé soit en position illicite sur ce coup-là, en position de hors-jeu. Ce n'est pas ultra flagrant, mais moi je pense qu'il est en position de hors-jeu. Après, est-ce que c'est ça qui a changé la face du match? Je ne suis pas sûr que Lille, avec ce que l'équipe a montré en première mi-temps, aurait pu changer la donne sur un match comme ça. On a coutume de dire que ça joue à des détails. Bon, là, il y a quand même un gros écart entre Paris et Lille. Peut-être que ça aurait changé la donne, mais franchement, je ne pense pas. Et c'est un peu un écran de fumée, selon moi. Parler d'arbitrage, alors qu'il y a eu quand même beaucoup plus de problèmes autres que l'arbitrage dans ce match. Alors on verra avec Fernando da Cruz, il a réagi encore cet après-midi. Franck, toi, ça t'a énervé cette histoire en tant que supporter, hein? Bah, disons que ça nous énerve, oui, parce qu'il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue, il y a 2 ans. L'année dernière, on prend un but hors-jeu, encore cette année. Après, c'est vrai que ce n'est pas non plus l'excuse qu'on a pour la défaite. Mais bon, ça commence à faire beaucoup quand même, quoi. Paris, je pense, n'a pas besoin d'avoir l'arbitre avec lui pour gagner des matchs. Après, quand j'entends les commentateurs à la télé qui disent « il est un peu hors-jeu », t'es hors-jeu ou t'es pas hors-jeu. Il n'y a pas un peu ou beaucoup hors-jeu. Voilà, c'est hors-jeu ou on n'est pas hors-jeu. Donc c'est ça aussi qui nous énerve un peu, toujours être derrière Paris comme ça. Mais moi, honnêtement, à vitesse réelle, c'est quand même vachement dur. Enfin, même si l'arbitre assistant est pas loin et tout ça, mais faut voir quand même que là, ça va vite, quoi. Verratti, ouais. Ça passe. Non, mais je suis pas d'accord avec toi parce que d'habitude, on peut signer un hors-jeu pour un bras ou pour une jambe. Là, il est quand même bien devant. Donc, non, mais il y a hors-jeu, l'arbitre est à 5 mètres. J'ai pas dit qu'il était pas hors-jeu. Oui, oui. J'ai juste dit que bon, faut être un petit peu modéré dans le sens où c'est pas évident de le voir, quoi. Voilà. Enfin, c'est quand même marrant quand c'est Paris, on le voit jamais, quoi. Et Aurélien dit sur Facebook, multiplication des fautes parisiennes non sifflées également. Oui, bien sûr, il y a une très grosse faute de Verratti qui mériterait un carton rouge. Et il a même pas pris un carton, quoi. Donc ça aussi, ça a été compliqué. Johan, qu'est-ce que tu en penses toi, de cette action? Non, après, je pense c'est vrai que... Fumé, comme dit François, en cas. Oui, je pense que c'est pas ça. C'est important parce qu'il y a but derrière. Mais au vu de la prestation, la victoire de Paris est méritée. Mais c'est vrai que Paris est un petit peu habitué à...
à contester beaucoup, notamment Verratti. Et puis, ils le font très bien avec malice, avec expérience. Et ça peut être énervant pour les adversaires, parce que c'est vrai qu'ils ont, je pense, pas besoin de ça pour gagner les matchs. Manu, t'as déjà pris un petit tacle par derrière, toi. Ben regarde, Joris nous dit, sinon il n'y a pas que des supporters du LOS, vous pourriez inviter des supporters de Lens, de Valenciennes, 3 semaines de suite, c'est un peu abusé. Ben, effectivement, on a lancé des invitations et aux prochaines émissions, il y aura d'autres supporters, il n'y a pas de souci. Juste un truc quand même, effectivement, il est hors jeu. Qu'il conteste, que Fernando da Cruz conteste cette action, aucun problème. Qu'ils disent qu'il y a un arbitrage, à cause de ce qui s'est passé, qu'il y a un arbitrage à deux vitesses en Ligue 1, moi, là, franchement, je suis d'accord avec François, c'est de l'écran de fumée. OK, il y a eu un pénalty, effectivement, contestable la semaine d'avant contre Toulouse. On est d'accord qu'il y a, en ce moment, il y a des décisions comme ça qui ne sont pas favorables au LOSC. Mais de là à lancer, entre guillemets, un débat, il n'a pas lancé un débat, mais quand même dire, je généralise et je dis, il y a un arbitrage à deux vitesses en Ligue 1. Donc, il y a un arbitrage pour Toulouse et pour le PSG et pas pour le LOSC. Non, c'est bizarre. Non, qu'il y a un arbitrage pour le PSG, ça, je suis pas... je suis plutôt d'accord avec lui. Oui, parce que... Je pense qu'il y a le statut du PSG, qui est une grosse équipe. Comme on le voit en Coupe d'Europe, il y a des équipes qui sont mieux arbitrées que d'autres. Là, c'est pas un choix... C'est inconscient de la part de l'arbitre, mais on a toujours plutôt tendance à favoriser le gros parce qu'on ne veut pas briser le spectacle, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière. Même si ce n'est pas voulu, c'est vrai que Paris bénéficie souvent de conditions arbitrales favorables. Toi, en tant que joueur, Paris est privilégié ? C'est un peu grave de dire ça quand même. Non, ce n'est pas privilégié, mais comme on vient de le dire, c'est inconscient. Et puis, ils ont tout le temps le ballon. Donc forcément, on est amené à plus leur faire de fautes. On court après le ballon pendant 80 minutes, 90 minutes. Il y a des moments où on peut, les adversaires, un petit peu, entre guillemets, les fils se touchent. Et c'est vrai qu'on a tendance, des fois, à vouloir les chatouiller un peu plus que les autres matchs. Et c'est vrai que je pense que pour ça, les fautes à répétition, les arbitres les protègent un petit peu plus. Moi, je voudrais revenir sur ce que Johan a dit tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui. Par exemple, à Paris, les joueurs peuvent se permettre de râler sur l'arbitrage. Dans les autres clubs en Ligue 1, si on râle contre l'arbitre, on est tout de suite sanctionné par un carton. La Cavani et Verratti, ils n'arrêtent pas de faire des fautes. Ils râlent sur l'arbitre et ils n'ont jamais de carton. Quoi. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a accepté le fait que Verratti vienne toujours voir l'arbitre, ouais. Que Thiago Motta, quand il joue, vienne toujours voir l'arbitre. Et du coup, on leur en tient moins rigueur que des adversaires, que d'autres joueurs, on n'a pas l'habitude et on les sanctionne beaucoup plus rapidement qu'eux pour ces faits. Ça, c'est vrai, mais... En même temps, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on fasse ce débat-là. Enfin, je veux dire, c'est Fernando... OK, il y a un débat très large qu'on a là et qui est intéressant sur le statut de Paris, sur les fautes qui sont pas... Voilà, mais moi, ce que je retiens de samedi, c'est d'abord que le LOSC a été moyen, a été beaucoup trop moyen. Et j'ai quand même l'impression que ça, Fernando da Cruz, il est malin, il le sait... que son équipe a été moyenne. Il se voyait peut-être pas faire toute la conf en disant « Ouais, on est moyen, je sais pas trop pourquoi, c'est dommage, on sortait de 2 victoires, et puis là, on est quand même... on n'a pas eu d'occasion vraiment, on a fait peur au PSG, entre guillemets, 5 minutes, c'est insuffisant. » Bon, il l'a dit tout ça, mais c'est passé un petit peu derrière parce qu'il a lancé le truc sur l'arbitrage. Posez vos questions, Johan. Sébastien nous dit « Je suis Valenciennes, ouais, il est vrai que Paris est souvent aidé, Lille a déjà du mal, et si en plus on aide une équipe comme Paris... » Johan, je te donne la parole. On va écouter Fernando da Cruz. C'était cet après-midi au domaine de Luchin. Écoutez-le. Alors après, je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne voulais pas mettre la responsabilité de la défaite sur le dos de l'arbitrage. Ce n'est pas ça. Ce que je voulais dire surtout, c'est que bon, par rapport à Toulouse, on avait eu un pénalty qui n'existait pas, qui aurait pu nous coûter cher aussi. C'est une première chose. Ce qui m'embête le plus, c'est que quand on revoit les actions... Les assistants, que ce soit sur le but hors-jeu ou sur le coup de pied de Mbappé, les assistants ne sont pas cachés, ne sont pas masqués, donc ils voient bien les choses. Voilà, maintenant, ce n'est pas remettre en cause l'arbitrage ou se faire passer en victime, ce n'est pas du tout ça. Mais néanmoins, quand on accumule le match de Toulouse et celui du PSG, aujourd'hui, les décisions, elles nous sont quand même assez contraires. Posez vos questions dans 48, il y a une réaction vivement à la vidéo dans le foot, mais c'est un vieux débat, c'est Jimmy Verret. Johan, vas-y. Non, j'allais dire, je ne pense pas que le PSG soit là grâce à l'arbitrage ou que Lille en est là à cause de l'arbitrage. Je pense que le problème est ailleurs.
Juste un message de Sébastien pour toi, Johan. Ramaré, critique pas trop l'arbitrage, tu vas prendre des cartons pour la moindre chose, tu vas être blacklisté. Bon, c'est bon, personne, il n'y a pas d'arbitre qui regarde. Non, mais c'est vrai que du coup, ça fait passer un peu au second plan l'information principale finalement de ce résultat, c'est que ça remet Lille dans la zone rouge, à la 18e place. Alors, il n'y a évidemment aucune honte à perdre à Paris. Le classement, tout le monde a perdu à Paris depuis le début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. C'est plus, voilà, en fait, le bilan fait que aujourd'hui, Lille est de nouveau 18e et est de nouveau sous pression. C'est ça qu'il faut retenir. Et je maintiens qu'amalgamer l'arbitrage de Toulouse et PSG, c'est ça qui est maladroit. C'est vrai. Si ça avait été, bon, on est au PSG, vous avez vu comme moi qu'il y avait des choses quand même, voilà, c'est dommage, mais c'est parce que Paris, c'est Paris. Là, on aurait pu faire un débat, mais dire, oui, puis en plus, à Toulouse, enfin, contre Toulouse, là, non. Non, mais après, je pense que M. Dacruz est un peu intelligent. Il a voulu aussi protéger les joueurs. Frédéric dit l'arbitrage est contre nous. On n'a pas besoin de ça. Beaucoup de messages. Gwendal dit on parle énormément de l'arbitre du PSG, mais celui de VAQV, on n'en parle pas. Ça, c'est une autre histoire. Manu, il était à part aussi, celui-là. Tu avais déposé une consultation sur notre page Facebook sur l'arbitrage. Justement, est-ce que vous trouvez qu'il y a un arbitrage à deux vitesses? Et les gens consultés ont répondu, les internautes, 60% oui. 40% non. Ah forcément, beaucoup de supporters de l'OS. On a vu classement Ligue 1. Je vais vous faire réagir, on reviendra sur l'OS tout à l'heure, sur une phrase de Michel Sédoux. C'était chez nos confrères de La Voix des Sports ce matin. Regardez cette phrase dans les colonnes. Il ne faut pas croire que c'est facile de se séparer d'un entraîneur. Bielsa, ce n'est pas qu'un entraîneur, c'était un rêve. C'est très dur. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Franck, de cette phrase? C'est clair que quand on nous a présenté le projet et puis qu'on, nous, en tant que supporters, on nous a annoncé l'arrivée de Marcelo Bielsa, tout de suite, on a pris des rêves. On s'est rêvé à jouer le haut de tableau et de voir du beau football. Et arriver à ce qu'on en est aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué. C'est un cauchemar. Johan Bielsa, en tant que joueur, toi, ça représentait... Le mot est fort, un rêve? Ça fait un peu trop... Non, le mot n'est pas fort. C'est quand même un grand entraîneur, il a fait des grandes choses. Après, ça n'a pas pris à Lille, c'est vrai, mais il a toujours, à Marseille, il a toujours très bien fait jouer son équipe, et par le passé en Argentine, pareil. Mais non, un rêve, le mot n'est pas trop fort. Après, pourquoi ça vire au cauchemar, en fait, le rêve? Et après, voilà, il y a aussi les exigences de la Ligue 1. C'est un petit peu un championnat, même s'il le connaissait bien, particulier, avec beaucoup de jeunes, c'est quand même compliqué, ça demande un petit peu d'expérience. Je pense que tous les joueurs, intrinsèquement, c'est des très très bons joueurs. Mais pour faire une équipe, il ne suffit pas d'empiler les individualités. Et je pense que c'est le problème aujourd'hui à Lille. C'est un immense gâchis. C'est un immense gâchis, Bielsa. Puisque, on l'a dit, Michel Sédoux le dit, c'était un rêve. Lille commençait à faire parler de lui au niveau non seulement national, mais même à l'international. Il y avait quand même des gens en Argentine, au Chili, qui suivaient un peu les résultats du LOSC. Aujourd'hui, Lille est complètement retombé dans l'anonymat et va devoir se sortir de cette situation créée par l'arrivée de Marcelo Bielsa qui fait qu'aujourd'hui, on risque de passer toute la saison à se dire « l'arrivée de Bielsa, ça nous a coûté cher », alors qu'à la base, c'était censé faire passer un gros palier au LOSC en termes non seulement de renommée et de résultats sportifs. Dans cette interview Michel Sédoux, de La Voix des Sports, là, Michel Sédoux, il dit deux autres choses que je partage complètement et qu'on a souvent dit ici sur ce plateau. Un, on ne confie pas complètement les clés d'un club à un entraîneur. Et on ne confie d'ailleurs tellement pas qu'il faut qu'un président soit présent dans le club. Il a dit, son expression, c'est à la Michel Sédoux, il dit, il aurait fallu, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus le gérant du café, Gérard Lopez. Et c'est vrai que... Non, mais c'est clair que... C'est clair. Allez, on termine avec le LOS, vas-y. Franck, toi, alors, tu gères un café, donc tu dois être présent dans ton café. Non, mais c'est clair qu'on a laissé trop de pouvoir à Marcelo Bielsa. Et ça, on l'a vu à tous les niveaux du club. Maintenant, même nous, en tant que supporters, on a rarement vu les dirigeants du club intervenir, que ce soit après les défaites. Et ça, c'est vrai que ça a manqué pour remettre un peu les gens dans le bon chemin, comme ça se passe par exemple à Lyon. On peut dire ce qu'on veut, mais quand M. Aulas intervient, ça bouge derrière. Et on l'a vu en début de saison, il a mis la pression sur l'entraîneur. Et les résultats, après, ont suivi. Allez, posez vos questions. Mickaël nous dit, on ne peut pas dire que Bielsa est un coach, il est un grand ingénieur du foot. Alors, je pense aussi, pour revenir sur Bielsa, que c'était peut-être la seule condition pour qu'il vienne, qu'il ait toutes les clés en main. Mais dans ce cas, on se menotte dès le départ, quoi. Un choix. Ça passe ou ça casse, ouais. C'est pas passé. On suivra le LOSC Dijon-Lille, ça sera la 18e journée, samedi 16 décembre à 20h. Allez, on passe... Au VAFC, ton club, Johan, on va voir les images et on va commencer
en chanson, évidemment. C'était un peu partout en France. On va écouter, vous allez reconnaître tout de suite. C'était un hommage à Johnny Hallyday, disparu mercredi dernier. Et on est au stade de Valenciennes avec cette chanson. Elle va arriver. Johnny, si tu m'entends, vas-y. Gabriel, écoute. Alors dites-nous, posez vos questions, dites-nous si c'est une bonne idée de rendre hommage à Johnny Hallyday dans tous les stades de France. Je pense que la question va être positive. Après, il y a eu un match, Johan, et un résultat très décevant. On va voir les buts. C'était le 19e quand même, là. Ouais, c'était vrai. C'était le 19e à domicile. Et c'était aussi justement peut-être ça le piège, c'est que tout le monde nous voyait gagner. Et en Ligue 2, il n'y a aucun match de facile. On pensait avoir fait le plus dur en marquant ce premier but. Et malheureusement, on a mal attaqué la deuxième mi-temps, ça nous a coûté la victoire. Alors en tant que joueur, je voudrais que tu donnes ton avis sur le but qui va être montré dans quelques instants. C'était une petite merveille la dégustation de Kevin quand même, hein, qui va venir juste après là. Oh quel geste ! C'est un superbe geste quand même. Ouais, il vient bien couper. Ce qui est frustrant, c'est qu'on était prévenus. On avait vu justement qu'il y avait un joueur qui se déplaçait comme ça pour dévier un peu à la Cavani, entre guillemets. Et on prend ce but sur ça, donc c'est ce qui est frustrant. Manu, t'as jamais marqué un but comme ça, toi ? Non. J'ai même pas essayé. François, ce classement de Ligue 2, Valenciennes, on sent qu'il y a du potentiel. C'est la question qu'on pose d'ailleurs. Dites ce que vous en pensez, vous. Quel potentiel pour le VAFC ? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe ? Oui, il y a le potentiel de finir dans le top 10 de la Ligue 2. Il y a les joueurs, il y a l'effectif. Il y a de quoi faire une bonne saison et de enfin intégrer le top 10 pour la première fois depuis la relégation du club en 2014. Il faut juste avoir plus de solidité défensive, notamment en déplacement où VA prend beaucoup de buts. Et puis, arrêter de s'endormir au début des deuxièmes périodes, ce qui est un peu le défaut actuellement du club. Il ne manque pas grand-chose pour voir un peu plus haut. Je ne pense pas que ce club, et d'ailleurs Johan l'a dit, puisse viser la Ligue 1 cette saison. Mais il y a largement moyen de mieux faire que la 12e place. Posez vos questions sur le VFC et posez vos questions directement à Johan Ramaret, qui est notre invité ce soir. Le Valenciennes 12e, 25 points, à 7 points du 3e Lorient, à 9 points du premier barragiste en fait. C'est quoi le discours dans le vestiaire là, de Réginald Rey ? C'est ce que je vous ai dit en début d'émission. Notre objectif, c'est vraiment de prendre le plus vite ces 42, 43 points qui nous mettront à l'abri pour le maintien. Et voilà, on manque de rigueur, on manque de constance pour l'instant prétendre à autre chose. Et c'est le plus dur à acquérir, justement. Et on a du mal à être régulier sur les matchs. Nos entames de deuxième mi-temps, comme on l'a dit, nous font mal et ça nous coûte des points. C'est pas évident de courir toujours après le score. Et c'est des petites choses, mais c'est important de les gommer. François, une question pour toi. Pardon Manu, faut-il craindre des départs à l'intersaison au VFC ? Merci pour votre réponse. La DNCG déjà va donner le ton. Hein, Valenciennes, on parle du LOSC, mais Valenciennes passe également demain devant la DNCG. On va voir si l'encadrement de la masse salariale est levé. C'est une possibilité, c'est pas la plus forte probabilité, mais ça peut arriver. Ça va dépendre de ça, il y aura peut-être des renforts, et notamment au poste de latéral gauche, qui est pour l'instant la faiblesse de cet effectif. Merci pour vos questions. Johan, une question très directe pour toi. Toi qui vis à l'intérieur du groupe, ne trouves-tu pas que les objectifs du président Dieck ne soient pas trop hauts ? Un président est toujours ambitieux pour son club, c'est normal, c'est légitime. Il construit une équipe la meilleure qu'il pense, et cette année il y a eu beaucoup d'arrivées, mais ça demande aussi du temps, et puis on le voit que c'est pas si évident que ça. On alterne le très bon comme contre Lorient où on a fait un gros match, et le un peu moins bon contre Sochaux Kevili, et justement il faut un peu de temps justement pour que ça prenne, mais le président est dans son rôle, il aime le club et il a envie de le voir au plus haut comme beaucoup de personnes, mais ça ne se fait pas comme ça et on y travaille tous les jours pour essayer de s'en rapprocher un peu plus. Est-ce que toi, tu as l'expérience de la Ligue 2, tu as vécu plusieurs clubs, même aussi un peu de la Ligue 1, est-ce que intrinsèquement, ces joueurs, quel potentiel tu donnerais à cette équipe, allez, en dehors de ce que vous avez vécu, mais comme ça, de ce que tu vis à l'entraînement, de ce que tu vois, de ce que tu compares peut-être avec d'autres clubs ? Sincèrement, c'est pas évident, on en parlait avant l'émission. Reims, qui par exemple qui survole le championnat de Ligue 2, pour moi, n'a pas les meilleurs joueurs de Ligue 2. Mais ils ont une force collective, ils dégagent quelque chose, c'est très important. J'ai eu la chance de faire deux montées en Ligue 1, dont une fois avec Boulogne, où sur le papier, on était loin d'avoir la meilleure équipe, mais il y avait une grosse cohésion et on avait vécu des montées successives. Et des fois, il suffit de pas grand-chose pour monter. Il n'y a pas que la qualité des joueurs qui
montrer justement ses bons résultats. Une question de Xavier Turek. Le LOSC dur le maintien. Franck, dans tes pires cauchemars, t'as imaginé jouer avec Valenciennes en Ligue 2 l'année prochaine? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, Ligue 1, même oui. Si j'ai beaucoup de respect pour Valenciennes. Bon, mais Ligue 1. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en prends de la saison de Valenciennes? Ben, franchement, moi, je suis un peu de loin la Ligue 2. Et quand on essaye de faire des pronostics, et, c'est dur. C'est vraiment aléatoire. Tout le monde peut battre tout le monde dans cette Ligue 2. Et ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que je n'arrive pas à comprendre. À part peut-être comme Reims, qui domine vraiment le championnat. Encore quand on fait des pronostics, tout le monde peut aller gagner chez l'un, chez l'autre. Et c'est vraiment compliqué, Johan, comme championnat. C'est très ingrat encore, la Ligue 2 là. Oui, ça se tient à pas grand-chose. Il n'y a aucun match. C'est vrai que le seul conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas jouer la Ligue 2 au côté match. C'est compliqué. Non, mais c'est vrai que les équipes se tiennent à rien. Même Tours, qui est aujourd'hui là, largué entre guillemets au classement, on ne peut pas dire à l'avance qu'ils vont perdre ou le match. Et encore une question de Sébastien Noël. On ne souhaite pas non plus à Ali de descendre, qu'il reste en Ligue 1 et qu'on vienne les rejoindre dans 2 ans. Voilà, ça c'est un message. Et un autre message pour Johan de Ningesfer. FC, quelles sont les ambitions du groupe face à un Reims, c'est le prochain match, qui semble intouchable. Tu connais bien Reims. Reims en coupe. Ouais, mais c'était une autre compétition. Mais c'est vrai que Reims, c'est une équipe qui fait peur aujourd'hui parce que c'est vraiment un bloc, une équipe dure à jouer. Mais depuis le début du championnat, quand on n'avait rien à perdre, on a été plutôt bon. C'était le cas contre Lorient où on était donné vraiment à juste titre outsider. C'est aussi le cas à Reims. On le prend vraiment comme un match bonus. C'est le dernier match avant la trêve. On a aujourd'hui 25 points et on y va pour amener quelque chose de ce déplacement. 25 points, c'est le meilleur total de Valenciennes à la trêve depuis la descente en Ligue 2 en 2014. Donc c'est plutôt encourageant. On est sur de meilleures bases que les saisons précédentes où le maintien a été acquis à chaque fois dans les dernières journées. Là, il y a peut-être moyen de viser plus haut, surtout que Valenciennes a une particularité qu'on ne sait pas trop, c'est que c'est l'effectif de Ligue 2 qui a le plus de joueurs d'expérience, c'est-à-dire où il y a le plus de joueurs qui ont disputé de matchs de Ligue 2 et de Ligue 1 tout confondu. C'est l'effectif avec le plus d'expérience et Johan fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Je crois que tu as plus de 200 matchs en pro, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas exactement, mais c'est vrai qu'en Ligue 2, ça doit compter. Et c'est aussi ce qui a fait qu'en début de saison, on a été un petit peu moins bien, je pense même moins individuellement, c'est qu'on a, nous, les joueurs d'expérience, on n'a pas apporté ce qu'on devait apporter à cette équipe. Alors justement, il y a un autre joueur qui a beaucoup d'expérience. On va voir une image, c'est Sébastien Roudet. Il a été élu meilleur joueur du mois de novembre par le site du VFC et par les internautes. C'est ce genre de joueur qui est très très important en Ligue 2, Johan. Oui, c'est clairement notre leader technique. J'ai rigolé avec lui cette semaine, j'ai l'impression qu'il a 28 ans. Il a retrouvé ça, une deuxième jeunesse. Mais ouais, non, on le voit un peu plus parce que là il est décisif ces derniers temps, mais même quand il marquait pas ou il faisait pas marquer, il fait un travail qui est très important, il court tout le temps et puis quand on lui donne le ballon il le garde et ça c'est vrai que c'est précieux, donc on est conscient d'avoir quelqu'un qui a du talent et qui nous fait du bien. Est-ce que côté joueur, le départ quand même encore assez récent hein, d'Adi Bejic et l'arrivée de Reginald Reyes, que tout ça, ça y est, tu sens que c'est digéré par le groupe et que voilà, vous êtes passé à autre chose? Ça, c'est des décisions qui nous appartiennent pas. Donc on, voilà, on, c'est des choses entre guillemets qu'on subit, qu'on décide pas. Et le coach qui est arrivé, nous a fait part de la chance qu'il avait parce qu'il est arrivé dans un club qui était pas en état d'urgence. C'est souvent le cas quand des coachs arrivent en cours de saison. Et voilà, ils travaillent un petit peu dans la continuité de ce que faisait le Farouk Adi Bejic en début de saison. Donc voilà, non, c'est assimilé. Et puis, il n'y a pas eu de rupture, c'est une continuité. Allez, dernière question avant de passer à Lens. Patrick Lelong, Johan, pour gagner, il faut marquer des buts. Les entraînements sont-ils aussi axés sur les actions offensives, car on a vraiment l'impression qu'il y a un souci de ce côté? Oui, c'est une vérité. Pour gagner, il faut marquer des buts, mais il faut aussi en prendre un peu moins. Donc c'est global. Là, vous prenez trop de buts. Là. On prend aussi trop de buts. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on arrive régulièrement à marquer des buts. Donc si on arrive à en prendre un peu moins, on gagnera aussi plus de matchs. Ça peut être dans l'autre sens. Juste une dernière question, j'ai le droit. Une petite question. Secondes. On en parle souvent ici sur le fait que le stade du Hainaut n'est pas très rempli, on ne sent pas un engouement autour du VFC comme il y a pu y avoir, et qu'on sent que le club a du mal à retrouver justement cet engouement autour de lui. Est-ce que toi, tu n'es pas là depuis très longtemps, mais est-ce que tu ressens que ça, c'est un petit souci pour le VFC? Non, je peux même dire que je pense que, enfin, on le comprend, parce que c'est un club qui a vraiment connu
des années en Ligue 1, des années, des très belles années. Et ça doit faire mal. Enfin, ça fait mal de voir le club dans cette situation. Et c'est à nous, les joueurs, de redonner un petit peu de baume au cœur aux supporters. Et pour ça, il faut qu'on fasse encore mieux que ce qu'on est en train de faire. C'est ça ce qui manque à VA. C'est une espèce d'engouement, un parcours en coupe, un bon parcours en championnat pour redonner plaisir aux supporters de venir au stade. C'est surtout ça qui explique un peu la déshérence actuellement au stade du Hainaut. Ça fait quand même 3 saisons d'affilée que vous jouez le maintien. Sébastien dit on ne peut pas remplir un stade avec des places à 20 euros. Il y a aussi un problème de coût. Non, parce qu'il y a beaucoup d'invitations. Hein. C'est quand même un club où il y a beaucoup d'invitations et que malheureusement, les gens à qui on donne des invitations ne viennent pas au match. Vous voyez, par exemple, il y avait 9000 spectateurs annoncés à Quevilly. Très franchement, si on était à 5000, enfin, face à Quevilly vendredi, si on était à 5000, c'était déjà très bien. Donc, ce n'est pas un problème de prix des places parce qu'il y a beaucoup d'invitations qui sont données. Les prix des places à 20 euros, c'est surtout lors des gros matchs face au RC Lens, par exemple. Alors, un message d'une supportrice de Joanne Ramaré, mon chouchou depuis trop d'années. Voilà, sympa. Tu donneras le nom quand même. Je donnerai le nom en antenne. Et un dernier message pour Franck, Auréo Ritzel, dédicace au Chagnot. Chagnot, c'est le bar que vous tenez. C'est ça. Donc demain, ça va signer des autographes, je pense. Pas de soucis. Voilà. Allez, on passe à un club que vous allez rencontrer, forcément, Joanne. Lens, qui affrontait le Paris FC. Oui, cette année. Paris FC, Lens, c'était 2-2. Là, on parle d'ambiance, ils ne sont pas très... pas très chaude, là au stade Charletti, ça je ne me trompe pas. On est loin du stade Bollaert et on va voir les images, 2-2. 5500 spectateurs à Paris. Là aussi, il y avait du Nalidé, je crois que c'était envie d'avoir envie. Justement, François, est-ce que le groupe a envie de faire quelque chose? Est-ce que Eric Sikora, qui était notre invité il y a une semaine, est en train de créer quelque chose? Ça va mieux. On a aussi senti une réaction d'orgueil de Lens qui a été réduite à 10 dans ce match et qui a réussi à revenir au score et à tenir face au Paris FC, qui est quand même une équipe qui est quatrième de Ligue 2. Donc oui, il y a du mieux dans cet effectif qui, rappelons-le, a connu un début de saison catastrophique, on ne peut pas faire pire, et qui progressivement est en train de prendre ses marques. Alors oui, ce ne sera pas une saison qui restera dans les annales au niveau des performances sportives, puisque le club ne montera pas en Ligue 1, mais voilà, c'est une nouvelle ère qui est en train de se mettre en place, un nouvel entraîneur emblématique, Eric Sikora, des nouveaux dirigeants, et chacun est en train plus ou moins de prendre sa place, de donner une nouvelle image du club. Ça va prendre du temps pour retrouver les sommets, ça attendra forcément la saison prochaine, mais au moins ça va mieux. C'est une défaite lors des 6 derniers matchs, alors que la saison avait démarré de façon catastrophique. Allez, supporters lensois, avant de venir en plateau, très bientôt, posez vos questions sur votre équipe de Lens, dont on voit là le match nul de partout. Manu, Lens, c'est vraiment un parcours du combattant. Chaque match, c'est un match de coupe, on a l'impression. Il y a du positif, comme vient de dire François. Ils ont quand même là égalisé en étant à 10 contre 11 pendant une demi-heure. Donc ça montre quand même qu'il y a un état d'esprit qu'honnêtement, il n'y avait pas en tout début de saison, clairement. Voilà, après, c'est sûr que cette inconstance, ce sentiment que, allez, ça démarre, et puis finalement, non. Ce sentiment qu'il y a un gros potentiel, on l'a vu en coupe quand même, battre Reims, même si c'est dans une autre compétition, c'est pas rien. Et puis derrière, voilà, ça a du mal à enchaîner. Et donc je pense que en fait, là, c'est peut-être un tout petit peu mon côté supporter des clubs de la région qui dit ça, c'est que on aurait envie que, bon, ça y est, ça, le potentiel, le fait qu'ils aient un gros budget et tout, ça se voit vraiment sur le terrain, et là, pour l'instant, ça se voit pas complètement. On sent une équipe qui est un peu malade, quoi. Oui, mais forcément, vous remettez pas d'un début de saison aussi catastrophique. 7 défaites lors des 7 premiers matchs, c'est historique, personne n'avait jamais fait ça. Et pour une équipe qui, en plus, était censée remonter en Ligue 1 dès cette année, il faut du temps pour se remettre de ça, pour repartir sur autre chose, pour se dire, finalement, on va jouer le maintien. Et du coup, psychologiquement, il a fallu du temps pour laver les têtes et repartir sur un nouveau projet avec un nouvel entraîneur, avec de nouveaux objectifs qui sont certes moins flamboyants que ceux annoncés en début de saison. Franck, on connaît la rivalité entre Lens et Lille. Quel regard tu portes, toi, sur cette équipe de Lens? Quand on voit leur début de saison, c'est un peu à l'image du nôtre, parce qu'on est complètement aussi au fond, catastrophique, quoi. Et on voit, comme l'expliquait, on gagne deux matchs, et puis boum, on repart sur une défaite, et on redescend. Donc à chaque fois... on a le couteau sous la gorge quand on joue, et c'est très compliqué, je pense, pour les joueurs. Et pour les supporters, c'est très dur à vivre, quoi. Après, nous, on n'attend qu'une chose, c'est que Lens remonte en première division pour vivre des derbies, quoi. Ça manque, les derbies. Mais bien sûr que ça manque. On a fait un match de Coupe de la Ligue contre Valenciennes, c'était super sympa. Mais après un bon derby contre Lens, on a envie.
Johan, le Racing Club de Lens, quel regard tu portes sur cette équipe, là, toi qui l'as affrontée ? C'est difficilement explicable. C'est vrai qu'avec un début de saison comme ça, toute la fin de saison, ils courent après ces 7 matchs, cette défaite. C'est dur de s'en remettre. Ils sont sur le bon chemin, je pense. Mais ouais, il y a un gros budget, c'est un gros stade, une grosse ambiance, un gros club. Et il y a toujours beaucoup d'attentes. Et c'est peut-être aussi ce qui n'est pas évident à gérer, même pour les joueurs. À Bollard, c'est toujours, quand ça se passe mal, un poids, entre guillemets. Et je pense que tout le monde a envie que ça se passe mieux. Mais ils sont sur le bon chemin. Mais c'est long, c'est pas évident. Il y a aussi beaucoup de boulot à faire au niveau de l'effectif. On a un effectif qui est aujourd'hui surdimensionné pour jouer le maintien en Ligue 2. Il y a 35 joueurs sous contrat pro à Lens. Donc c'est énorme. Eric Sicora doit composer avec ça. À la base, c'était un effectif censé jouer le premier rôle en Ligue 2. On est évidemment loin du compte pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Donc le mercato va être important du côté de Lens. Il va falloir dégraisser, il va falloir vendre des joueurs qui aujourd'hui ne servent pas à grand-chose dans cet effectif pour ensuite éventuellement se renforcer et aller chercher dans le meilleur des cas, je pense, une place là aussi dans le top 10. Mais accrocher une place de barragiste me semble complètement impossible. Allez, posez vos questions. Si vous nous rejoignez sur la page Facebook de France 3 Nord-Pégalais et Picardie, Yannoudi, passe à la DNCG demain avec un budget de 38 millions d'euros au lieu de 41 millions en vue de résultats catastrophiques. C'est ça l'information ? C'est exactement ça, ouais. Les dirigeants de Lens, on l'avait déjà dit il y a un mois quand on avait fait une réunion avec eux, nous avaient expliqué qu'en effet, ils avaient été obligés de revoir leurs ambitions à la baisse en raison du début de saison complètement raté. C'est-à-dire que le budget annoncé à la DNCG en juin était de 42 millions d'euros. Demain, ils passent eux aussi devant la DNCG. Ils vont annoncer un budget revu à la baisse de 4 millions d'euros. 38 millions d'euros sera annoncé demain. Il reste un budget colossal pour la Ligue 2, malgré tout. C'est énorme. À cause de frais de fonctionnement et de structures qui ne sont pas des structures d'un club de Ligue 2, mais des structures d'un club de Ligue 1, à savoir un centre d'entraînement comme la Gaillette et un stade comme le Stade Bollard. Allez, on a une petite coupure sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Mais ça va revenir. C'est rétabli. Monsieur MacGyver a rétabli ça avec Antoine en régie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va passer à Amiens avec nos amis de Picardie. Encore une fois, c'est l'équipe qui est le plus haut en ce moment dans le classement de Ligue 1. Et on va voir ces images. On a titré Amiens, dommage. On est à un partout. Calcutta, faute dans la surface, pénalty. Pénalty raté, on rate le 2-1. Anouar inscrit le deuxième but pour Lyon, 2-1 à la 93e. Et on va le voir avant, tout avait bien commencé. C'est vraiment dommage qu'il y était, François, ce match. Non, enfin, j'y étais pas. J'ai vu la rencontre, mais c'est Johan qui était. C'est le genre de match qui bascule à rien. Et Johan pourra en parler mieux, quoi, parce qu'il était au stade de l'Icorne. Johan, c'était fin de match de fou. Oui, fin de match de fou, mais malheureusement, c'est des petites choses qu'on pouvait percevoir, même si on ne pouvait pas imaginer qu'ils allaient le perdre, mais qu'ils allaient peut-être se faire attraper et regretter les occasions qu'ils ont eues, parce qu'à un moment, ils avaient vraiment la main mise sur le jeu. Il y a même eu la olé dans le stade. Et c'est vrai que contre des équipes comme Lyon, le moindre relâchement, ça ne pardonne pas. Et malgré le fait qu'ils aient fait un très bon match dans le contenu, ils ont pris 0 points, et c'est ça qui est le plus dommage pour eux. Et on a eu beaucoup de messages. Vroig dit « Ce résultat est injuste et cruel, mais je suis fier de vous et de notre belle ville d'Amiens. Bravo à toute l'équipe. » Aurore dit « Les Lyonnais reviennent de loin. Amiens les a ridiculisés dans les duels. » C'était vrai ? Oui, c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'impact. Après, pour avoir vu quelques joueurs même du côté de Lyon, c'est pas évident pour eux d'arriver. Ils ont joué jeudi, ils savaient qu'ils allaient se faire un petit peu rentrer dedans. Et Amiens a joué à merveille son rôle. Et c'est comme ça qu'il fallait prendre le match. Ils ont failli réussir leur coup. Mais malheureusement, c'est pas passé loin, et c'est des points qui... 3 points, c'est énorme pour un club comme Amiens. 3 points, c'est... Ils sont à 21, il me semble. Ils auraient pu être à 24, c'est beaucoup. Ils sont à 21 points, à 3 points du LOSC, c'est juste quand même. Hein. Oui, c'est juste. Ils font une belle saison, mais ça va être très difficile quand même. Enfin, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai vu beaucoup de fois jouer Amiens cette année, et franchement, c'est une équipe plaisante à avoir joué. Je suis d'accord. C'est vraiment des joueurs qui se donnent, qui vont de l'avant. Ça calcule pas, et j'ai été vraiment très, très surpris de la prestation d'Amiens depuis le début de saison. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiet du tout pour leur maintien en Ligue 1, parce que c'est une équipe qui a un fond de jeu, qui a une vraie solidarité, qui se défonce et qui sait qu'elle va jouer le maintien, et donc qui de toute façon est prête pour ce combat-là, contrairement à d'autres équipes qui ne s'attendent pas à ce genre de saison difficile. Je pense à Saint-Etienne qui est actuellement en chute libre. Une équipe comme Amiens, en tout cas, l'âme et le jeu pour pouvoir sauver sa peau en Ligue 1. Alors c'est vrai que c'est dommage de perdre contre Lyon hier dans des circonstances pareilles.
En même temps, en face, c'est Lyon qui est deuxième de Ligue 1. Et vous êtes à Amiens. Amiens, on les attendait plutôt à la place de Metz en début de saison, avec un budget limité, avec un recrutement. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs inconnus qui vont dans ce club qui arrive de nulle part. Et finalement, Amiens est 11e avec 21 points. Même s'ils perdent leurs deux derniers matchs avant la trêve, ça restera une première partie de saison très correcte. Allez, posez vos questions en Picardie, Franck. Un très bon entraîneur qui produit du beau jeu. Christophe Pélissier, qui était notre invité la semaine dernière. On va écouter Walim El Adjam et Serge Gapke, qui a marqué ce week-end. Écoutez-les. C'est des scénarios qui arrivent. Il faudra que ça nous serve de leçon et continuer à bosser. Lyon a l'habitude de ces genres de matchs-là. Ils y ont cru jusqu'au bout. Malheureusement, nous, on a été peut-être un petit peu trop gourmands à vouloir chercher ces 3 points. On sait qu'on a montré très bonne chose ce soir. Du coup, c'est positif pour la suite quand même. C'est pas comme si on est perdu 5-0 ou 4-0 où on n'a rien montré dans le contenu. Bien au contraire, on a montré très bonne chose et on a su les inquiéter. Il a failli gagner d'ailleurs. Donc, il faut rester optimiste et positif. Gakpé disait qu'on était trop gourmands aussi. C'est ça, il faut gérer ce genre de match face à des gros. Hein. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que dans le stade, ils se sont laissés un petit peu emporter par l'euphorie, par leurs prestations, et au final, ouais, c'est vrai que Lyon a été ultra réaliste, et je crois qu'ils jouent Tours en Coupe de la Ligue, ils ont ensuite Troyes et Nantes, et s'ils se qualifient contre Tours, les joueurs disaient qu'ils ont 7 matchs au mois de janvier, pour un effectif qui n'est pas non plus pléthorique. Oui, ça. Yeah, ça va, ah, ils 29 ont, joueurs. Si, ils ont, si, si, ils ont. Ouais, mais joueurs. Beaucoup, enfin, souvent, ouais, gens, ouais, apparemment sollicités, et ça peut être fin janvier, on peut vraiment voir où ils en seront pour la fin du championnat. Moi, je suis un tout petit peu moins optimiste. On ne va pas dire que je ne suis pas pessimiste, mais je suis un petit peu moins optimiste. Parce que bon, c'est vrai que voilà, quand on suit tous les ans la Ligue 1 et tout ça, on voit ce genre de match quand vous êtes l'équipe comme ça qui sait qu'elle va se battre pour le maintien, qui fait un super match, qu'on se dit, tiens, ils vont gagner, puis hop, tu le perds, merde. Enfin, il y a un petit truc là. J'ai déjà entendu cette musique de l'équipe qui joue bien, qui fait tout ce qu'il faut, et puis qui finalement quand même galère. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est que cette saison, il y a bien pire qu'Amiens, et ça va être leur chance. Exactement. Voilà. Et 17e pour eux, c'est une victoire. Hein. Ça, c'est une saison réussie. Oui, hein. Oui, bien sûr. Donc pour l'instant, ils sont largement et dans puis, les clous. Ils ont pour quelques joueurs quand même de talent, notamment Kakuta. Même j'ai beaucoup aimé Zungu, leur Sud-Africain au milieu. Ils ont fait quelques bonnes recrues et je pense que ça peut les aider pour le championnat. On va faire un détour par Valenciennes. Une question pour toi, Johan. Posez vos questions encore une fois. On parle d'Amiens. On va bientôt reparler du LOL dans cette émission. Johan, quelle est l'ambition de VA en Coupe de France et crois-tu à l'exploit à Marseille à début d'année 2018? Ça sera le 7 et 8 janvier, je crois. Oui, forcément, c'est la coupe, rien n'est impossible. On aurait préféré les recevoir. Je sais que ça aurait été une grosse affiche au Eno. Maintenant, voilà, Marseille, moi, personnellement, ça fait 2 ans que je tombe sur eux en coupe. On est passé une fois au pénalty, on a perdu la fois d'après avec Sochaux, donc je sais que tout est possible. Après, ils sont sur une grosse série, c'est un gros club. Je sais qu'ils ont aussi fait de la Coupe de France un objectif, mais non, rien n'est impossible. On repasse à Amiens. Amiens en Coupe de France, ça sera contre Sochaux, je ne me trompe pas. Sochaux. Beaucoup de messages sur le stade de la Licorne. On vous l'a dit en début d'émission avec cette image et ce projecteur qui menaçait de tomber dans les tribunes du stade de la Licorne. Effectivement, il y aurait pu y avoir un drame. Beaucoup de messages. Christophe dit, à quand la fermeture de ce stade? On attend d'avoir un mort, point d'interrogation. Didier dit, ce n'est pas un stade digne de la Ligue 1. Et Claude Dubus nous dit, le stade part en friche, il est en ruine. Bon, les mots sont forts, on ne va pas un peu loin quand même là, par rapport à ces commentaires. Ça commence à faire beaucoup. Il y a une barrière qui s'effondre il y a 2 mois, il y a 29 blessés parmi les supporters lillois. Heureusement, il n'y a pas eu de drame. Le stade est suspendu pendant un certain temps. Le 15 novembre, la commission de sécurité dit « c'est bon, il n'y a aucun problème, vous pouvez revenir jouer au stade de la Licorne ». Les matchs reprennent et même pas un mois après cette décision de la commission de sécurité, hier, on est obligé d'évacuer une partie des spectateurs car un projecteur menace de s'effondrer. C'est pas rien, un projecteur qui menace de s'effondrer. Donc on met des gens un peu debout, un peu partout. Donc c'est géré complètement de façon improvisée. Et en plus, moi, hier, je vois ça. Du coup, j'ai décidé d'appeler Alain Geste, le président d'Amiens Métropole, pour avoir une réaction. Qui est le propriétaire du stade. Pour avoir une réaction. Et là, j'ai quelqu'un énervé. Bon, certes que je dérange en plein de matchs, mais énervé. Et qui me dit qu'il n'y a rien du tout et que ce n'est pas la peine d'affoler la France pour ça. Mais il aurait dit quoi si le projecteur était tombé? Je trouve que dédramatiser ce genre de situation, c'est un peu dangereux. Temps, et ça peut revenir comme un boomerang. S'il n'y avait pas eu la barrière, on aurait
on n'aura peut-être pas parlé du projecteur. Mais justement, ça fait barrière, plus projecteur, alors qu'entre-temps, une commission de sécurité est passée, que le stade est vétuste depuis plusieurs années, qu'il y a des morceaux de verre qui se sont effondrés il y a deux ans, que la toiture est en mauvais état. Ça commence à faire beaucoup et je commence vraiment à me demander mais pourquoi la Ligue a accepté que le stade de la Licorne soit homologué cette saison en Ligue 1. On a interdit des clubs de jouer dans leur stade pour moins que ça. Franck, qui était quand il y a eu la barrière? Oui, j'étais quand il y a eu l'accident avec la barrière. Et déjà, on avait pu voir la vétusté du stade, même à l'extérieur, quand on arrive. On passe dans la boue, dans le sable. Donc, c'est pas un stade. Pour moi, on ne peut pas accueillir des matchs de Ligue 1. C'est trop dangereux. Joanne, tu connais ce stade? Oui, bah, j'y ai joué plusieurs fois. Et c'est vrai qu'après, bon, je pense que, comme beaucoup, ils ont été les premiers surpris par leur montée en Ligue 1. Donc, ça a été aussi. Ils l'ont pris. Ils sont montés, donc ils l'ont pris. Mais c'est vrai que. Ce qui est étonnant sur ce projecteur, c'est que ça arrive effectivement un mois après que la commission ait validé le retour des compétitions. On est tous dans cette histoire, moi je suis comme François, où enfin, on se dit on est naïf. Quand il y a un problème, on recheck pour parler. Voilà. Voilà, moi je pensais vraiment que ça avait été fait. On savait que ce stade est vétuste. Il y a eu un problème, certes, finalement sans grosse catastrophe, heureusement pour tout le monde. On se dit, bon, là, maintenant, c'est, y a eu carton jaune, il ne faudrait pas qu'il y ait un carton rouge. Hier, moi, je trouve que ça ressemble quand même un peu à un carton rouge. C'est-à-dire, là, ça va trop loin. Si les commissions ne voient même pas qu'il y a des projecteurs qui, à 100 km/h, ce qui n'est pas non plus rarissime, ça arrive quand même assez souvent dans notre région. Là, je trouve qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est aussi la question de la commission qui se pose. À quoi sert la commission? Ils sont venus pour en fumant des cigarettes, en disant, ah oui, la barrière. La barrière. Allez, on repart. Voilà. Mais il est où le boulot? Là, c'est même plus, à la limite, c'est même plus la question des dirigeants d'Amiens ou des policiers. C'est la Ligue du stade. Exactement. C'est la question de la commission de sécurité. Il y a des gens, c'est leur métier de vérifier si un stade tient ou pas. Et ils sont, en plus, ils viennent parce qu'une barrière s'est effondrée, il y a eu des blessés, on se dit plus jamais ça. Et un mois après, un projecteur menace de s'effondrer. On joue avec la vie des spectateurs. Ludo nous dit, ils n'ont pas de chance car Amiens tient sa place en Ligue 1. On lisait tout à l'heure, continuez comme ça, les petits gars. Voilà. Juste hier, quand on a publié l'info quoi, de ce projecteur, on a vu sur nos pages les supporters du LOSC qui étaient en nombre et qui vraiment, on va dire le mot, hein, qui hallucinaient. Quoi, parce que pour ceux qui étaient comme Franck... Ça, franchement, voilà, je ne tiens plus à revivre ça. Je pense qu'il n'y a peut-être pas eu de blessés graves physiquement chez les supporters du LOSC. En tout cas, c'est des blessures qu'ils ont pu s'en remettre assez rapidement. Mais psychologiquement, vous êtes resté marqué par un tel événement. Et ça, on a l'impression que finalement, ce qui s'est passé à Amiens, ce n'était pas grave. Je ne suis pas sûr que tous les supporters du LOSC qui étaient présents dans cette tribune prennent la chose de façon aussi légère. C'est clair. Que de toute façon, on a toujours en tête ce qui s'est passé cette soirée-là. Quoi. Allez, on va continuer. Un dernier mot, c'est dommage, tous ces événements du stade de la Licorne, parce que ça jette un voile, en effet, comme l'a dit sur les résultats qui sont excellents de cette équipe d'Amiens, qui est plutôt sympathique. Et malheureusement, à cause de certaines décisions et de, parfois, je pense, de l'incompétence, on jette le voile sur les performances d'un club qui montre qu'il a toute sa place en Ligue 1. Ok, on va passer, on va revenir au LOSC pour terminer. On rappelle le 3 Amiens. 3 sera le 17e, il faudra gagner là-bas à 3. Ce sera samedi 12 décembre à 20h. On passe au LOSC, il nous reste 3 minutes 36 de jeu, messieurs. On repasse au LOSC avec une semaine décisive. Il y a Bielsa et il y a le passage devant la DNCG. François. Oui, c'est une journée de ce mardi 12 décembre qui va nous donner un peu le ton de ce qu'il faut attendre de cette fin d'année du côté du LOSC. Alors oui, c'est vrai, la conciliation avec Marcelo Bielsa, a priori ce seront les deux avocats, l'un de Bielsa, l'autre du LOSC, qui se rencontreront demain à la Ligue pour discuter éventuellement. On parle de 13 millions d'euros, hein. Voilà, c'est ce qui est demandé. C'est pour ça qu'il y a peut-être une solution à l'amiable qui va être trouvée avant qu'on en arrive là pour au prud'homme. Ce serait inouï de voir un procès au prud'homme de cette ampleur. Ça jamais vu, non ? Je pense que chacun ne veut pas en arriver là. Donc, il y a sans doute un compromis qui va être trouvé entre les deux parties. Mais ce qui est vraiment, je pense, le plus important, même si ça c'est pas accessoire du tout, c'est quelle va être la décision de la DNCG sur les finances du LOSC après 6 mois catastrophiques, alors qu'un budget de 100 millions d'euros a été annoncé et prévu en juin dernier, et basé sur une performance liée au top 5. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par les dirigeants du LOSC. Aujourd'hui, on est très très loin du compte. Si on n'atteint pas le top 5 avec les droits télé qui sont inhérents à ce classement, il va y avoir un énorme manque à gagner. Comment on le comble au niveau du budget qui a été annoncé? C'est un manque à gagner plusieurs millions d'euros, des dizaines de millions d'euros à la clé. Donc la DNCG demain va dire au LOSC, bon là vous n'êtes pas du tout dans les clous au niveau de ce que vous avez annoncé. Comment on fait
pour régler le différentiel entre ce qui a été annoncé et ce qui risque de vous arriver. Et le LOSC va devoir présenter des garanties financières. Franck, tu es inquiet quand tu entends ça en tant que supporter ? Bien sûr qu'on est inquiet. Maintenant, nous, on n'est pas dans les finances du club. Nous, la dernière fois, en réunion, on a bien confirmé que... Vous endormi. Peut-être. En façon, la réponse sera dite demain. Donc, on saura si vraiment... on a l'argent si on l'a pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand même que Gérard Lopez, il a racheté le club il y a seulement un an, avec des grosses ambitions, qu'il a montré d'ailleurs dans le recrutement, dans le recrutement de Marcelo Bielsa. Mais depuis, tous les passages à la DNCG, il y a le stress, ça se passe mal, il y a un report, il y a des éléments supplémentaires à donner. Là, ils ont demandé un report. Mais je comprends pas. Enfin, quand on reprend un club... Et on a un projet clair. Normalement, ça de. Enfin, avant, là, je suis peut-être naïf. C'est voilà, ça devrait bien se passer. Alors, on nous dit, on vous a dit d'ailleurs à cette réunion que c'est parce que le mode de financement, la façon de gérer ce projet, c'était pas habituel. Moi, je vous le dis franchement, je n'y crois pas à ça. La DNCG, c'est des gens qui sont professionnels. S'ils disent on veut des éléments complémentaires ou s'ils disent attention, on va peut-être encadrer, c'est qu'il y a un problème financier, c'est-à-dire un problème de cash, un problème, il n'y a pas l'argent qui est annoncé, n'est pas vraiment dans les caisses. Enfin, pour parler très simplement, hein, vraiment, selon les informations qu'on a et ce qu'on ressent, ce qu'on voit... Pour moi, il y a un gros souci financier au LOSC et je trouve que ça devient de plus en plus pesant au fil des mercatos parce qu'il y a eu janvier quand ils sont arrivés, il y a eu juin où ça a failli aussi mal se passer et là on voit qu'encore une fois on stresse. Enfin, les supporters stressent. Voilà. Il reste 2 minutes de prolongation, messieurs. Franck, vas-y, réagis. Donc c'est clair qu'en plus les résultats depuis le début de saison ne font pas non plus que le club puisse se vendre au niveau des droits TV ou autre chose. On attend vraiment avec impatience cette réunion demain à la DNCG. Oui, Joanne, je pense aussi que pour le LOSC, il y a un match contre Nice et en Coupe de la Ligue. Ça peut être mercredi. C'est vrai que les années un peu compliquées, là, un parcours en Coupe peut sauver parfois une saison. Manu, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut encore gagner des places pour LOSC Nice, justement ? Ah non, elles ont été gagnées la semaine dernière. Fini, vous avez toujours gagné des places. Le problème, c'est que la Coupe de la Ligue, c'est toujours Paris qui gagne à la fin. Quoi. En plus, oui. Il reste 30 secondes, Manu. 30 secondes sur Thiago Mendes. Il y a une info qui est sortie juste avant le match du PSG. Oui. C'est pas un hasard, je pense. Je pense que cette info, elle est peut-être à prendre au sérieux, même si elle vient d'un site qui n'est pas très connu et tout ça. Thiago Mendes intéresserait le PSG. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je trouve que ce cas-là, il va être très, très intéressant à observer pour vous, les supporters. Si, au bout de quelques mois, Thiago Mendes, qui a été le meilleur joueur de ce début de saison à Lille... Avec Maignan. Avec Maignan, s'en va, là, on se dit, mais c'est quoi ce projet ? S'il reste, bon, voilà. Merci pour cette info, Manu. Merci, messieurs les experts. Merci François. Joanne, Reims, victoire ? Il faut prendre des points. Ça ferait bien sûr, victoire, bien sûr. Merci Franck d'être venu et quand tu veux sur le plateau du 45. Merci Manu et merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir posté tous vos messages. Lundi 19h30, tu seras là, Manu, avec nos experts pour un nouveau 45. La dernière avant les vacances. La dernière avant les vacances et moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Salut.